Bonjour, alors voilà la solution de l'avion, le CT80, voilà, qui est déjà tout démonté, hein, que vous avez besoin de remonter, parce que forcément le démonter, vous allez voir, ça va être très facile, les enfants comme vous, vous allez vous amuser, ne perdez pas les pièces, et remontez-le. Hein, donc du coup, les deux parties du corps vont aller en opposition, hein, vous les voyez, hein, je vous les détaille hein, comme ceci, vont aller en opposition, mais surtout en enfermant ce petit clapet qui va nous permettre de tout fermer à la fin. Hein, donc vous allez l'enfermer ici, hein, il y a une déposition. D'accord, hein, pour l'instant, c'est pas grave, la position justement fait que il va pouvoir pivoter, c'est ce qui va aller fermer le jeu à la fin du montage, d'accord, hein, donc du coup, il pivote, ok? Donc, tout de suite derrière, ce qu'on va pouvoir installer, je le pose ici, d'accord? Ce qu'on va pouvoir installer, c'est ces deux pièces-là, d'accord, hein, juste en opposition, vous voyez, hein, qui vont se venir comme ça pour prendre le corde de cette manière, c'est-à-dire on va en placer un comme ceci, d'accord? On va placer l'autre à l'opposé, un peu là, en bas, pour me laisser. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, hein, le corps du haut, le haut du corps hein, du commande de l'avion sera là, et le bas du corps va nous permettre de faire passer les petits trous à cet endroit-là, d'accord? Tout en laissant le pivot pour l'instant libre, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les ailes ici, d'accord? Elles vont venir se placer ici, là, hop là. Je vais essayer de les placer le mieux que je peux. Voilà. Il faut à moins que je les passe comme ça. Voilà, c'est jamais très simple. Hein. Voilà, exactement. D'accord, hein. Donc là, c'est les selles. Voilà, votre corps, il est formé. Ok. Derrière, on va les mettre les petites roulettes en dessous. D'accord. On va les faire poser, passer les petits trous ici. Hein, toujours avec le petit pivot qui et qui vont venir s'enclencher ici. Hein, d'accord, comme ceci. D'accord. Ok. On va aller là, hop là. Et les voilà enclenchés. Ok. On va justement le pivoter hein, comme ceci. Vous voyez, pivoter en dessous, ce qui va venir. Alors, attendez, ou dans l'autre sens. Voilà. Dans l'autre sens, et c'est lui qui va venir bloquer le tour. Regardez, clac. D'accord hein, ce petit pivot qu'on manipule par là, hein, c'est lui qui vient bloquer les roues et le tout. D'accord l'avion est déjà monté. Lui, il bouge plus. Il ne reste plus qu'à mettre la petite hélice, bien évidemment. Donc, on va faire mettre l'hélice là et le petit pivot derrière. Hein, pour venir le bloquer, ok, hop là, comme ça l'hélice peut bouger hein, sans souci, et puis on va finir par la petite queue ici en dessous, donc là c'est pareil, hein, vous avez les encoches, hein, vous venez le positionner ici, et la petite pièce ici va venir la placer, hop là, pardon, dans l'autre sens, hein, venir tout fermer, voilà, et comme ça, on a notre avion en entier, hein. C'est super sympa pour les enfants, pour les débutants, hein, voilà, mais bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de puzzle en 3D, hein, c'est agréable et puis surtout c'est très très joli. Voilà, bonne journée!